Amis de la musique et des synthétiseurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Turing Machine, en tout cas du module Eurorack qu'on appelle ainsi. En effet, son nom provient du nom de Alan Turing, quasi-inventeur de l'informatique telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui avait imaginé, c'était une sorte d'expérience de pensée, c'était purement hypothétique, une machine, un ordinateur on dirait aujourd'hui, mais enfin une machine capable de lire sur un ruban de longueur infinie des cases et avec une tête de lecture qui se balade dessus pour écrire ou lire des 0 et des 1. Le rapport avec l'Eurorack aujourd'hui est effectivement très lâche, très distant, puisque si la Turing Machine nous propose une espèce de ruban infini avec une série de lettres que vous voyez en ce moment à l'écran tout en haut de la machine, et effectivement la possibilité d'y écrire des 0 et des 1, il y a effectivement un vague rapport avec l'esprit de ce que pourrait être une véritable Turing Machine, mais là s'arrête le rapport, c'est juste un nom avec quelques allusions à la véritable Turing Machine. Donc je ne vous casserai pas les pieds avec de l'informatique aujourd'hui, mais on va parler musique et voir qu'est-ce qu'on peut tirer de la Turing Machine. Alors le principe de la Turing Machine est relativement simple. C'est un générateur de tensions aléatoires. On peut dire, en première approche, qu'il s'agit d'une sorte de sample and hold, mais le principe de fonctionnement est très très différent. Dans un sample and hold, on va prendre un bruit blanc, un bruit rose, peu importe, en entrée, une fréquence d'échantillonnage, et de façon régulière, on va aller chercher un échantillon de ce bruit qui est en entrée, ce qui donnera une valeur complètement aléatoire qu'on va retrouver à la sortie. Les sample and hold permettent de faire bien d'autres choses, mais dans l'esprit de génération de tensions aléatoires, c'est effectivement l'outil privilégié pour cette fonction-là. La Turing Machine va générer aussi des tensions aléatoires, mais son principe de fonctionnement, comme je le disais, est totalement différent. Elle se rapproche, dans l'esprit très lointain, de la Turing Machine d'Alan Turing, qui est une espèce de grand ruban sur lequel on écrit des 0 et des 1. Ici, ce grand ruban va défiler, et on va pouvoir, c'est la grande particularité de cette Turing Machine telle qu'elle a été implémentée en Eurorack, elle va pouvoir éventuellement boucler sur des séquences de longueur qu'on va pouvoir fixer à l'avance, entre 2 et 16 pas en général, et qui va permettre de créer des séquences complètement aléatoires, mais répétitives, ce qu'un sample and hold n'est pas tout à fait capable de faire, sauf si on lui met en entrée un signal autre, etc. Mais je ne vais pas m'étendre sur la question, ce n'est pas le sujet des sample and hold aujourd'hui. La Turing Machine donc va générer des tensions aléatoires, mais va permettre de les boucler pour créer un effet de séquence. Donc ça, c'est très important. Et pour générer cette aléatoire, la Turing Machine utilise une espèce de ruban composé de 0 et de 1 qui, bien évidemment, sont traduits sous forme de chiffres, donc de tensions en sortie, puisque ça va être tout l'intérêt de cette machine, et d'où quand même le rapport qu'il y a entre son nom et sa fonction. La Turing Machine qu'on a dans Vici-Virac nous provient de tout simplement un constructeur qui s'appelle Music Things et qui a construit une Turing Machine dont on voit l'image en ce moment à l'écran. Alors vous allez me dire, cette Turing Machine elle est beaucoup plus petite que celle qu'on a dans Vici-Virac. Oui, alors je vais pas vous faire visiter tout le site de Music Things, mais il s'agit en fait de deux options qu'on peut rajouter à cette machine. Une qui permet de gérer des triggers, on va en parler tout à l'heure, et un autre module secondaire de génération de tension qui n'est pas basé exactement sur le même principe que la Turing Machine elle-même. Donc voilà ce que c'est que la Turing Machine. Elle sert à générer des séquences aléatoires, mais donc qu'on peut faire boucler sur une longueur de pas qu'on choisit, et ce qui va nous permettre d'avoir dans le temps des effets rythmiques ou mélodiques réguliers, mais à partir d'aléatoires. En tournant le gros bouton central, on va pouvoir bloquer la séquence ou
demander à ce que un peu ou un peu plus d'aléatoire soit de temps en temps réinjecté dans la séquence. Ce qui va permettre de créer des séquences aléatoires ou semi-aléatoires ou complètement aléatoires qu'on pourra bloquer à certains moments, ce qui amène une certaine richesse dans une composition musicale, mais c'est ce à quoi on pense quand on pense Turing Machine au départ, parce qu'on la compare à un sample and hold, et le sample and hold aussi, quand on le voit de façon trop simple, on se dit avec ça on fait des musiques aléatoires, les fameux bip bip qu'on entend régulièrement, mais pas que. Et la Turing Machine peut être utilisée de plein de façons différentes. Alors il existe ce modèle-là en réalité, assorti d'AnviCivirac de ces deux options, hein, puisque c'est du virtuel, ça aurait été dommage de se priver d'ajouter ces deux options, puisqu'on n'a pas les achetées, d'autant plus qu'il s'agit d'un module distribué gratuitement. Dans la réalité, on est obligé de faire des choix, et dans la réalité, par exemple, moi j'ai opté pour la Turing Machine de chez 2HP, qui ne prend que 2HP, d'où son nom, hein, de tous ces modules qui sont construits par le constructeur du nom de 2HP, qui est un constructeur américain, sachant que 2HP c'est la largeur, et que la largeur se calcule en HP qui valent 0,5 cm. Donc 2HP fait un module d'un centimètre de large, alors qu'on voit bien que celle-ci, en plus assortie de ces deux extensions, va prendre beaucoup plus de place sur le rack. Passons maintenant aux détails de ce qu'il y a sur la Turing Machine. Alors comment fonctionne la Turing Machine, de quoi est-elle faite, quels sont les boutons que l'on trouve, les entrées et les sorties? La première chose que l'on remarque, c'est un afficheur. C'est la partie supérieure de l'affichage qui est constituée d'un ensemble de LED. Ces LED représentent les 0 et les 1, et la Turing Machine, est, pour ce qui est de la vraie Turing Machine, est censée générer des volts de 0 à 10 volts. Elle les génère comment? En générant donc cette série de 0 et de 1 aléatoires qui donne un nombre et... Tout simplement, ce nombre binaire est converti par un convertisseur digital analogique en une tension. Il n'y a rien de très très compliqué là-dessus. Le tirage aléatoire est fait par les algorithmes intérieurs, mais ils sont pilotés par le bouton central. Ce très gros bouton qui est en plein centre et qui va permettre, quand il est à midi, de générer une séquence qui change en permanence de valeur. La ruse de la Turing Machine, ce qui en fait aussi tout son intérêt, est que lorsque l'on bloque le bouton complètement à droite, la séquence n'est plus régénérée aléatoirement. Elle ne fait plus que boucler sur elle-même. C'est-à-dire qu'on a généré une séquence qui va tourner et tourner. Alors, le constructeur de cette machine, dans sa volonté, a dit que, eh bien, une séquence, quand elle est perdue. Il n'y a pas moyen de la mémoriser, il n'y a pas besoin de chercher des boutons pour ça. Il n'y a aucun moyen de l'enregistrer, de la mémoriser, et dès qu'elle a changé, bah, celle qui était là avant est perdue. On est vraiment dans cette notion d'aléatoire, de vivant, et dans le vivant, bah, le passé, c'est le passé. On ne fait que vivre dans l'instant, et chaque nouvel instant, à peine en a-t-on conscience que ça devient le passé. Et en fait, c'est une conception assez métaphysique, assez philosophique de l'existence qui se cache derrière ce module. Mais enfin, foin de philosophie, ce qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne. Eh bien, ce bouton, quand il est coincé à droite, va bloquer la séquence, et va bloquer la séquence sur combien de pas? Il va la bloquer sur le nombre de pas indiqué par le bouton Length, entre 2 pas jusqu'à 16 pas. Les valeurs qui sont générées sont donc celles qui sont tirées au sort, qui génèrent un nombre binaire converti en nombre de volts, entre 0 et 10 volts. La façon de régler l'écart, c'est-à-dire la valeur maximale qui peut être atteinte, se fait par le bouton Scale, tout simplement, comme échelle, qui va permettre, s'il est là, de ne pas bouger quasiment, et quand il est au maximum, d'effectivement avoir une range, d'avoir une étendue de 10 volts. Quand elle est au milieu, on atteint 5 volts au maximum, ce qui semble assez raisonnable. Alors, tout le reste devient un peu particulier. Si on fait abstraction de la partie gauche et de la partie droite, qui sont deux extensions de la Turing Machine, et qu'on continue à se concentrer sur la Turing Machine elle-même, on retrouve des boutons comme les 0, 1, right, le move à gauche et à droite. On trouve des pilotages comme l'horloge, on conçoit à peu près à quoi ça peut servir, le move, le CV, le reset, on voit ce que c'est. Le noise, on comprend à peu près, ce sont des sorties, donc en fait, ça veut dire que si je prends une sortie ici, on voit tout de suite sur le scope que je génère du bruit, et un bruit qui sera lié, bien sûr, à la Turing Machine, et à ses valeurs et à son évolution dans le temps. Donc un bruit un peu spécial, on l'écoutera tout à l'heure pour voir la nuance que cela peut apporter. Donc un bruit qui va être coloré. On a une sortie principale,
Oublions cette sortie qui est ici, qui dépend donc de cette extension à droite verticale avec ces 5 boutons. Et oublions les sorties ici, qui sont des sorties de trigger de l'autre extension que propose la Turing Machine originale. Une fois qu'on a compris ce principe, bon, pour la faire marcher, il nous faut une horloge. Et on va prendre la sortie 1 qu'on va brancher ici. Bon, enfin là, ici, on aurait pu même utiliser un LFO en mode carré, par exemple. Ça aurait été suffisant. On fait tourner et on voit tourner en haut donc les petites lumières. Mais comme notre bouton pour l'instant est bloqué en position maximale, eh bien il ne se passe rien. Alors si je prends sa sortie, hein, comme c'est le fait là en ce moment, et que je la passe sur le scope, on a un électroencéphalogramme plat, hein, la mort absolue. Alors le point qui est vert, qui avance, nous indique seulement où est le début de cette séquence. Puisque c'est un long ruban, il faut s'imaginer un long ruban sur lequel des 0 et des 1 sont inscrits. Alors, c'est à ça que servent les deux boutons qui sont là. Si on a envie, on peut forcer l'écriture d'un 1. Donc, on va appuyer sur le bouton du 1, et là, on a écrit un 1. Il est matérialisé par le rouge. Ceux qui sont en gris, noir, sont en fait tout simplement des LED éteintes, et les LED éteintes sont des 0. Je vais réécrire un autre 1. On en voit maintenant 2. Comme ma séquence est bloquée, elle se répète en permanence. Le point vert ne fait que me dire où se trouve le début de la boucle. Si je passe sur une séquence à 4 steps, on voit que la répétition s'effectue sur 4 steps. Vous pouvez regarder donc la sortie qui est sur le scope. On va prendre une sortie à 2 steps. Vous voyez que à 2 steps, j'ai en permanence la répétition d'un même dessin. Si je le mets sur 16, j'ai un dessin qui va être un peu plus long, puisqu'il va être bâti sur 16 valeurs. Mais on ne voit pas exactement ce changement opéré. Pourquoi ? Toujours parce que je suis bloqué. Donc la même séquence se répète inlassablement. Donc on va ouvrir légèrement. Et plus on va se rapprocher de midi, plus le nombre aléatoire va changer rapidement. Ou en tout cas, on peut le dire autrement, plus on se rapproche de midi, plus des 1 ou des 0 vont être injectés dans le long ruban qui défile. Ce qui veut dire que si je me mets légèrement ici, je vais garder ma séquence telle qu'elle était, mais au fur et à mesure, on va voir apparaître des 1 ou des 0 qui viennent changer. C'est une fonctionnalité très intéressante de la Turing Machine qui permet d'aller saupoudrer un peu d'aléatoire dans une séquence qui semble tout de même se répéter tout en changeant au fil du temps, car au bout d'un moment, elle sera totalement différente de ce qu'elle était au départ. C'est vraiment un instrument assez sophistiqué et en même temps d'une grande simplicité. Et si je la mets à midi, on va voir sur le scope qu'on va avoir une sortie totalement aléatoire qui change à peu près tout le temps, un peu comme l'aurait fait un sample and hold nourri avec du bruit blanc ou du bruit rose ou... Ici, certainement plus du bruit blanc pour avoir à peu près l'étendue de toutes les valeurs possibles. Alors, on regardera quand même sur le scope parce qu'il indique des choses intéressantes. Il nous dit 4,94, c'est la valeur maximale qui est sortie en ce moment, tout simplement parce qu'on n'a pas dû avoir que des 1. Mais si je force l'écriture que de 1 à l'intérieur de la machine, vous allez voir, on atteint, vous voyez sur le scope, 5 volts. Voilà, 5 volts. Parce que quand tous les 1 sont allumés, la machine génère son 5 volts. Alors si je bloque complètement ça, en m'assurant que tous les 1 sont bien inscrits. Donc on a bien notre séquence qui est totalement à 1. On va voir maintenant que si je change de scale, hop, on monte, et vous voyez que la valeur maximale passe à 10 volts. Donc le scale sert à ça, hein, à changer l'étendue. Si on veut, on peut même le baisser, bien entendu. Et à ce moment-là, nos variations vont être plus faibles et limitées dans une étendue moins large, ce qui est quand même particulièrement pratique quand on veut générer quelque chose de mélodique, puisqu'en général, passer de 0 à 10 volts, c'est-à-dire passer de l'octave la plus basse possible à celle qui est la plus haute possible, donne vraiment l'impression d'une petite truc aléatoire sans intérêt. Donc le scale sert à ça. Le write, comme on l'a vu, sert à écrire des 0. Je vais passer tout à 0, je laisse le bouton appuyer en fait en ce moment, et donc la séquence va passer à 0. Mais comme on est sur une séquence à 16 pas, vous voyez, il faut attendre un certain temps pour avoir effacé les 16 valeurs qui sont en mémoire. Ici, si vous comptez, 2, 4, 6, 8. Il n'y a que les 8 premiers bits qui sont affichés. Donc on a une fenêtre de visibilité de 8 bits sur une séquence qui en fait 16. Si je passe sur 8, on va avoir une parfaite correspondance entre l'affichage et la séquence qui est bouclée. Et maintenant, si je mets des 1, j'ai besoin d'en mettre que 8. Et on atteint
maintenant les 5 volts maximales, puisque nous sommes à 5 volts sur le scale. Si j'écris des zéros, on voit descendre progressivement la Turing machine à 0, et sur le scope, ça nous confirme qu'on est bien à 0. Donc voilà pour ce qui est du principe. On trouve donc une sortie principale, on trouve une entrée pour l'horloge, ce qui est quand même indispensable, hein, puisqu'il faut échantillonner, fabriquer les nombres à un certain rythme. Donc ça, c'est, on le conçoit très bien. Le reset, si on est en mode séquence et qu'on est loqué, ça peut être intéressant pour la faire recommencer au point où elle en était, à partir du reset, par exemple, d'une horloge, comme ici on peut avoir. Donc ici, on va voir le reset qu'on pourrait bloquer ici. Et je vais faire une séquence avec voilà, un dessin qui va être assez repérable. On voit ce dessin en escalier qui se répète. Si je clique sur reset, hop, hop, vous voyez, à chaque fois j'appuie, je le remets à zéro, je le remets à zéro. Donc on ne voit que le premier front. Là, je vais arrêter. Et on va voir la séquence qui se reproduit de façon infinie. Ce qui permet éventuellement de synchroniser un début de séquence. Mais comme la séquence est complètement aléatoire, comme on ne peut pas la sauvegarder, comme c'est le principe de la Turing machine, le reset n'a un intérêt que relativement, relatif, puisque on ne sait pas très bien où est-ce que ça va resetter. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert le move? Eh bien, le move peut vous servir à ça. Le move va vous servir, on va être ici sur notre séquence qui bouge. Quand je vais en fait mover, quand je vais déplacer par ces boutons-là, je vais tout simplement décaler d'un bit vers la gauche ou d'un bit vers la droite ma séquence. Là, quand je fais un reset, on part à un certain endroit. Si je décale plus ma séquence, eh bien, je pourrais peut-être réussir à cadrer. Avec le reset, une horloge et les boutons de déplacement, on peut réussir à se caler pour qu'une séquence soit en rythme avec ce qu'on va jouer par ailleurs. Mais enfin, c'est quand même très 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 relatif tout ça, puisque le principe de la Turing machine, c'est de faire des séquences qui ne se répètent pas forcément tout le temps, et en tout cas, quand elles ont été jouées, elles sont perdues. Vous débranchez, vous revenez, il n'y a pas de mémorisation. Même sous VisiVirac, vous vous dites « Oh, j'ai trouvé une super séquence, je sauvegarde mon fichier et je le rouvrirai plus tard pour la retrouver », niette, hein, hors de question. La Turing machine VisiVirac se comporte comme la vraie, c'est-à-dire qu'une fois qu'on éteint, c'est-à-dire une fois qu'on sort de VisiVirac, quand on rentre, la séquence qui était jouée est totalement perdue, il n'y a aucune mémorisation de la part de la Turing machine. Alors regardons maintenant les deux autres. Alors le fameux move qui est ici, c'est une entrée, on conçoit très bien que si on envoie un signal, on va simuler le move à droite à gauche, donc le déplacement à droite à gauche des bits. Amusez-vous, il y a un peu de sérendipité aussi, un peu de découverte à faire par soi-même. Alors, très brièvement, on va voir maintenant qu'est-ce qui se passe autour de la Turing machine. Eh bien, ce sont les deux extensions qui sont à droite et à gauche. Celle-ci est une extension de trigger dont vous allez comprendre très très vite à quoi elle sert. Vous voyez qu'en fait, elle utilise le nombre aléatoire qui est à chaque fois généré par la Turing machine, ou qui est locké, bien sûr, comme là on est en position lock, et qui donc va se répéter. Et sur les 8 premiers bits, en tout cas du 1 au 7, on a une génération de triggers qui suit la valeur de la Turing machine. Alors vous allez me dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais alors à quoi servent les deux qui sont ici et les deux qui sont en bas? Eh bien c'est simple, ce sont des mix. Par exemple, ce trigger ici se déclenche quand le 1 ou le 2, puisqu'on a 1 plus 2. Là ici on a 2 plus 4. Ici, on a 4 plus 7. Ici, on a 1 plus 2 et 4 plus 7. Donc, avec ça, vous avez une génération de gates aléatoires que vous pouvez patcher comme vous le voulez pour déclencher des sons, des séquences, autre chose, des événements, enfin n'importe quoi. Et petit frère, en fait, de celle-ci, parce que dans la vraie Turing machine, en fait, cette extension qui est à droite avec les 5 boutons ne fonctionne, à mon avis, de mon souvenir, que si on a acquis aussi l'extension trigger, puisqu'elle utilise, en fait, les 5 premiers triggers qui sont là pour associer 5 potentiomètres qui, il faut le voir ici de la même façon, sont des générateurs, en fait, de bits aléatoires. Et on va pouvoir tourner les boutons dans un sens ou dans un autre pour obtenir des séquences qui vont utiliser ces 5 bits. Alors les stratégies, les algorithmes exacts qui sont utilisés, vous pourrez les retrouver dans les schématiques qu'on trouve sur les Turing machines, puis ça dépend des implémentations. Donc ici, si je mets cette deuxième piste, vous voyez qu'on génère une autre séquence qui n'a absolument rien à voir avec la première. On va mettre ça à midi, et vous voyez qu'on a deux pistes, deux séquences qui font deux choses assez différentes,
mais bien sûr synchronisées, et sur des valeurs qui semblent quand même se rapprocher pour certaines de temps en temps. C'est normal, puisque on utilise les 5 premiers bits de la Turing Machine pour générer ici une autre séquence. Le scale joue sur la séquence principale, mais ne joue pas sur la séquence secondaire. Voilà à quoi servent ces deux extensions sur le côté. Donc en fait, on peut le voir comme un complément de la Turing Machine, une sorte de deuxième Turing Machine qui ne marche pas tout à fait exactement pareil, mais qui utilise le fonctionnement interne. Souvent, on va s'en servir, par exemple, pour faire de la polyphonie. On peut avoir deux mélodies, ou une basse, une ligne, etc., qu'on va pouvoir modifier de cette façon-là, moduler grâce à cette extension de la Turing Machine. On pourrait mettre une deuxième Turing Machine. Ici, ça se comprend, parce que, effectivement, sous Visivirac, comme on ne les paye pas, et que ces modules sont gratuits, en tout cas, on peut en mettre 10 des Turing Machines si on a envie. Ça ne prend pas beaucoup, en plus, ça ne consomme pas énormément, en termes de puissance sur le CPU, donc on peut en mettre beaucoup. Dans la réalité, on comprend bien qu'à quelques centaines d'euros le module, il est plus facile de rajouter une petite extension que de rajouter 15 Turing Machine dans son rack, ce qui bien sûr atteindrait des sommes délirantes, surtout que des fois les boîtiers pour mettre en Eurorack, c'est ça qui est sympa, c'est que les boîtiers coûtent quasiment plus cher que les modules qu'on y met. Il y a un business juteux sur les boîtiers. Donc voilà pour ce qui est de cette première approche de la Turing Machine de façon théorique sous Visivirac. On va passer bien sûr à l'Eurorack et à la réalité, et à chaque fois en fait en partant d'un exemple. Donc je passerai d'abord l'exemple sous Visivirac en simulation numérique, et puis on va reporter le patch sur le véritable rack avec la Turing Machine de HP, et on va voir si on obtient les mêmes résultats, en tout cas si on a un fonctionnement qui est de même ordre. Ça sera intéressant de faire le rapprochement entre les deux fonctionnements et les deux types de Turing Machine qu'on va avoir. On se retrouve tout de suite pour la première utilisation un peu particulière de la Turing Machine. La Turing Machine n'est pas un générateur aléatoire conventionnel. La première utilisation de la Turing Machine qui viendrait à l'esprit, c'est de générer une ligne de mélodie aléatoire comme avec un sample and hold. On verra ça plus tard. Première utilisation dont je vais vous parler, c'est tout simplement de se servir de la Turing Machine pour moduler un filtre. Alors ici, on a une séquence, peu importe le décorum, une séquence, un VCO 3340, le VORG, et puis un ADSR assez classique avec des VCA classiques. Donc on a une séquence qui, au départ, est filtrée. On va d'ailleurs ouvrir complètement le filtre, qui n'a quasiment aucun effet particulier. Et puis, on a une Turing Machine. Bien sûr, tout ça est cloqué avec un générateur d'horloge. Et on a une Turing Machine qui, au départ, va être complètement aléatoire et dont la sortie va être utilisée pour alimenter le scope, bien sûr, et puis pour alimenter un slew limiter. Et la sortie de ce slew limiter va aller dans la deuxième entrée de CV du filtre VORG. Quel est l'intérêt de tout ça? Alors, pourquoi un slew limiter? Pourquoi se mettre sur l'entrée 2, etc.? Bon, en fait, c'est très simple. L'entrée 1 du filtre va être une modulation assez classique, celle qui est faite par l'ADSR. Et puis, on dispose d'une deuxième entrée, donc autant l'utiliser pour appliquer en plus de cette ADSR qui va moduler le filtre, une deuxième modulation qui viendra justement de la Turing Machine pour ajouter un peu d'aléatoire sur un filtrage qui est déjà effectué et qui est déjà rythmé par l'ADSR comme on l'a de façon assez classique. Et pourquoi le passer par un slew limiter? Parce que le slew limiter, comme vous savez à quoi ça sert à atténuer des pentes montantes et descendantes quand un signal change, eh bien, on va pouvoir, grâce à ce slew limiter, modifier la pente de ce qui va sortir de notre Turing Machine, tout simplement. Alors, on va lancer et puis on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Donc, on va faire run. Quasiment aucun filtrage pour l'instant. Donc, une séquence, tout ce qu'il y a de plus simple. Je vais fermer mon filtre. Je vais fermer ça pour l'instant. On entend très bien, voilà, l'effet de l'ADSR sur l'ouverture et la fermeture du filtre. Donc là, j'ai une séquence qui est assez sourde, puisque nous sommes relativement très bas sur la cutoff du filtre. Alors c'est sympa, ça fait une séquence. En dehors du fait qu'elle se répète un peu, mais enfin, on a une séquence qui tourne, mais ça évolue pas beaucoup. Alors on pourrait bien sûr rajouter un LFO sur le VORG. Là, on va utiliser autre chose, on va utiliser la Turing Machine, puisqu'elle est branchée. Donc là, je vais monter progressivement. On va monter la scale à 10 d'ailleurs, on est complètement aléatoire.
et on va monter progressivement l'effet du CV2. On voit sur le scope la sortie naturelle de la Turing machine et en rouge la sortie qui est envoyée au Vorg et qui passe par le slew limiter. Alors vous voyez, on a des changements qui sont relativement violents. On passe d'une valeur à l'autre en escalier. Donc selon la chance que l'on a, eh bien, ça peut être plus ou moins pentu, mais c'est toujours sous forme d'escalier. L'intérêt de la Turing machine pour faire ce genre de modulation, c'est que je peux me mettre par exemple sur 5 pas et la bloquer. Le schéma de modulation est plus complexe que celui d'un LFO, c'est un signal différent. Et en plus, maintenant, il va se répéter pour donner une espèce de... Mais comme il est décalé par rapport à la mélodie, on va avoir quelque chose de particulier. Par exemple, on va se mettre sur 8 pas, on va réouvrir le filtre, réouvrir l'aléatoire, le bouton aléatoire de la Turing machine, et maintenant on bloque. Vous voyez que l'accent n'est pas mis sur la même note. On a exactement le même nombre d'accents qui reviennent sans cesse, on le voit au dessin sur le scope, mais on est décalé par rapport à la séquence, ce qui la rend déjà beaucoup plus vivante. Donc voilà l'intérêt d'utiliser la Turing machine pour moduler un filtre, par exemple. Alors le slew limiter dans tout ça, vous voyez voir tout de suite l'effet. Sur le scope, vous voyez que la pente, les pentes comme ça deviennent de plus en plus douces. Et ça monte là jusqu'à un moment donné où ça monte, ça n'a même pas le temps de monter beaucoup, si on se met par là. Alors les montées sont moins raides, on voit aux pentes. Les descentes sont pour l'instant assez raides, puisqu'elles n'ont pas de limitation. Et je vais apporter une limitation aussi sur les pentes descendantes. On va voir un signal qui se rapproche un peu plus de celui d'un LFO qui évolue dans le temps de façon continue. Quelque chose d'un peu plus lissé, d'un peu moins soudain. Tout va dépendre bien sûr de l'effet qu'on veut donner à tout cela. Et donc, voici un premier exemple d'utilisation de la Turing machine, de l'intérêt de la bloquer, de son nombre de pas, tout simplement pour moduler un VCF. On passe maintenant au même patch, mais sur l'Eurorack. Alors, comme vous pouvez le remarquer ici, la Turing machine se trouve ici, avec l'entrée trigger, le bouton de réglage des probabilités avec ici le réglage, qui correspond donc au gros bouton de la Turing machine qu'on a sous VCV rack, et on voit ici le contrôle du nombre de steps avec son bouton, et l'amplitude de sortie qui correspond au bouton Scale sous VCV rack. Sous VCV rack, la machine qui est utilisée va de 0 à 10 volts. Quand le réglage est au maximum, celle-ci va de 0 à 5 volts. Sa sortie est connectée à un atténuverteur pour pouvoir avoir le contrôle de la tension, qui est lui-même positionné en atténuverteur, c'est-à-dire que les normales sont à midi, et donc on a une inversion de polarité quand on va dans le sens anti-horaire. Ici la sortie qu'on va brancher sur le mini brut 2S, puisqu'on va utiliser le mini brut pour cet exercice là avec son séquenceur. Et voilà le tableau. L'entrée horloge de la Turing machine provient, on va se brancher sur un multi, mais provient de la sortie gate du mini brut 2S. On lance la séquence, une séquence tout à fait, ici on a le réglage de l'ouverture du filtre, et ce que l'on va faire, c'est qu'on va connecter la sortie de notre Turing machine qui clignote, qui fonctionne en ce moment, sur la cutoff du filtre. Et l'effet est bien évidemment tout de suite perceptible. En jouant sur l'atténuverteur,
on va avoir différents effets. Notre Turing Machine introduit un peu de nouveautés de temps en temps. Je vais la bloquer et maintenant elle est en séquence. Sur une séquence qui fait 16 pas à peu près, puisque celle-ci fonctionne sur une base de 32 pas. La Turing Machine gère environ une dizaine de pas, puisque quand le bouton est à midi, sur cette Turing Machine-là, on est à 16 pas et à 32 pas au maximum, alors que la Turing Machine de Vissivirac fonctionne en 16 pas maximum. Elle répète là inlassablement la même séquence de contrôle, mais on peut réintroduire de l'aléatoire. Voilà pour ce premier exemple. Ce second exemple d'utilisation de la Turing Machine va reprendre ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, mais en y ajoutant encore un peu plus de surprises. Oui, c'est tout à fait possible, en se servant justement de l'entrée un peu particulière que l'on trouve sur la Turing Machine, qui est cette fameuse entrée CV. À quoi peut bien servir un contrôle en CV sur cette Turing Machine? Eh bien, la réponse est toute bête, à modifier tout simplement le gros bouton, c'est-à-dire la probabilité de faire apparaître de l'aléatoire dans la séquence. De fait, en appliquant au CV un LFO qu'on contrôle à travers un VCA, on aurait pu mettre un atténuverteur ou autre chose, eh bien, on va pouvoir modifier l'aléatoire qui rentre dans la séquence, sachant qu'on a bloqué notre Turing Machine en mode séquence sur 5 steps, et qu'on va quand même moduler la position du bouton dans le temps grâce à un LFO dont on va mettre la forme d'onde, par exemple, sous forme d'une sinusoïde. Et on va tout de suite voir qu'il y a quelques nuances. Alors on va pouvoir rajouter éventuellement un scope pour que vous puissiez voir ce qui sort de la Turing Machine. On peut afficher la wave qui sort de notre LFO. On voit bien ce joli signal. Alors on va ralentir un peu tout ça. Et on voit ce joli signal. Alors si je l'accélère, vous voyez, c'est bien une sinusoïde. Voilà. Mais on va la ralentir. Et on va demander à la Turing Machine de continuer à modifier le CV de notre Vorg, de notre VCF ici, qui lui déjà était modulé grâce à la Turing Machine, mais en plus on va moduler la probabilité. Donc ça nous donne ça. Vous voyez le signal de la Turing Machine en bleu. Et vous voyez qu'en fonction de l'évolution du LFO, les probabilités vont changer, ajoutant un élément de surprise un tout petit peu différent. Donc c'est une façon aussi de se servir d'une Turing Machine, c'est de faire varier sa probabilité. Troisième possibilité d'utiliser une Turing Machine, on a vu dans la suite de ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire modulation de l'ouverture d'un filtre, on a vu modulation des probabilités de la Turing Machine qui elle-même modulait un filtre. On peut pousser le jeu un peu plus loin et utiliser la Turing Machine pour moduler pas seulement l'ouverture d'un filtre, mais aussi l'amplitude d'un signal. Ce qui va rajouter un côté plus organique, plus vivant à une séquence. C'est une utilisation assez intéressante. Même si, comme toutes les autres, il faut les doser de façon subtile. Il n'est pas question ici d'effets dramatiques, mais d'effets subtils qui, bien dosés, quand on trouve le sweet spot selon le morceau dans lequel on se trouve, peut ajouter justement cette sensation de quelque chose qui change. Alors attention, l'aléatoire en musique c'est très sympathique, mais ça devient vite le bordel, pour dire les choses avec un mot simple. Et donc, organique, c'est vrai que pour recréer de l'organique, on rajoute un peu d'aléatoire, mais c'est un bordel organisé, contraint, maîtrisé. On n'est pas dans l'aléatoire pur, parce que l'aléatoire pur, ça donne des résultats un peu trop stochastiques. Et qui sont pas très agréables à l'oreille, parce qu'on ne s'y retrouve pas. L'oreille aime l'organique, parce qu'il y a des petites variations, ça crée de l'intérêt,
mais elle aime pas le bordel complet. Sinon, ça devient vite n'importe quoi. D'ailleurs, le vrai bordel complet, c'est du bruit blanc. Bon, c'est d'un intérêt quand même relativement limité. Je connais peu de gens qui en écoutent à longueur de journée. Donc, ce qu'on a besoin pour créer un morceau, ce sont de créer des variations des fois assez lentes aussi, pour pas qu'elles soient trop rapides, sinon ça devient de nouveau trop agité. Et pour ça, la Turing Machine est vraiment excellente. Mais il faut savoir doser les choses. Alors ici, j'exagère un petit peu pour qu'on puisse entendre et se rendre compte, mais il faut savoir qu'en réalité, il faut vraiment doser les choses avec beaucoup de parcimonie. Ici, on va ajouter la modulation d'amplitude du signal. Donc on reprend le signal de notre Turing Machine, on l'envoie dans un attenuverteur parce que c'est plus pratique, et on va le mixer avec le signal de l'ADSR qui contrôle le VCA de notre séquence qui joue qu'une seule note ici. Et puis, puisqu'il y a une deuxième ligne et qu'on ne va pas multiplier les exemples à l'envi, ici on a une deuxième ligne dans cette Turing Machine virtuelle et qu'on retrouve dans certaines Turing Machines réelles sur le marché, eh bien, on va se servir de cette deuxième ligne pour en même temps, une fois traité par un slew limiter, aller modifier l'ouverture du send de la console vers l'effet B, l'effet B ici étant un effet d'écho. On va voir tout ça en même temps. Dans un premier temps, on va écouter la séquence avec son ADSR normal, et puis je vais mixer au fur et à mesure la Turing Machine à l'ADSR, et vous allez voir ces différences d'amplitude dans le signal. Et faites attention, puisque simultanément, vous allez avoir des nuances au niveau de l'écho qui seront évolutives dans le temps. On y va. Donc pour l'instant, des modulations d'ouverture du filtre, c'est déjà pas mal. Et le signal 1 qui vient de notre Turing Machine. Maintenant, je mixe ce signal. Alors, je l'accentue pour que vous écoutiez bien la nuance. La deuxième ligne de la Turing Machine, donc on le voit sur le scope, elle est en bas. Elle est passée par un slew limiter pour que les changements dans l'écho soient progressifs. Et écoutez bien, vous allez voir que l'écho lui aussi n'est pas tout à fait régulier et qu'il apparaît, disparaît sur des notes différentes. Je vous laisse écouter quelques instants parce que ça s'écoute. Sans les variations d'amplitude, sans les variations d'ouverture du filtre, sans écho et sans reverb. Vous voyez à quel point c'est boring, hein, comme disent les Américains. Donc on va commencer par rajouter un peu de modulation du filtre. On va rajouter de la reverb parce qu'aucun son n'existe sans reverb, à moins d'habiter dans une chambre anéchoïque, mais alors là, on devient fou assez rapidement. On va rajouter modification d'amplitude, et on va rajouter l'effet d'ouverture sur l'écho. Voilà pour cet exemple que nous allons essayer de reproduire sur l'Eurorack. Alors dans le montage que vous voyez, que je ne vais pas détailler complètement, vous apercevez que nous avons beaucoup de choses de patcher, puisque au lieu d'utiliser le mini brut comme dans l'exemple précédent, là j'ai réellement utilisé le 2HP VCO, générant là ici un signal en dents de scie, et ici, nous mélangeons à la fois l'effet de la Turing Machine, qui est donc toujours ici, avec un
l'ADSR, ici très très simple, hein, juste une voix du Stages, et on va mélanger à la fois le Stages et l'effet de la Turing Machine pour avoir le premier effet qui est une différence sur le filtre. On avait le VCF3 Pico ici d'Erika, qui est piloté par l'ADSR, qui est piloté aussi par la Turing Machine pour avoir l'effet qu'on avait à l'exemple 1. L'exemple 2 et 3 consiste à avoir en plus une gestion de l'amplitude du signal, ce qui fait qu'on a un premier VCA qui traite le signal, plus un deuxième sur lequel est appliquée la Turing Machine via un atténuverteur pour changer la profondeur du premier VCA en fait, qui lui gère l'ADSR. Pour l'instant, on ne gère pas la probabilité, on va le faire dans un deuxième temps, on écoute la séquence. Ici le volume, on est au maximum presque, c'est un offset. Si j'enlève l'offset et que je mets quasiment que le signal de la Turing Machine, mixé bien entendu avec le premier VCA, donc les deux VCA sont en cascade ici. Le premier fait son rôle de VCA pour appliquer une forme au signal de sortie. Et le deuxième VCA module le premier VCA en volume en fonction du résultat de la Turing Machine. Alors, pour faire varier la probabilité de la Turing Machine, il nous suffit d'ajouter dans la Turing Machine, d'aller chercher sa probabilité et de lui appliquer par exemple un LFO assez lent. Celui-là, que l'on bascule en signal triangulaire, et ici dans ce patch nous réunissons à la fois l'exemple 2 et l'exemple 3 qu'on a vu sous Vici-Virac avec un patch un peu plus compliqué bien évidemment. Donc ici deux effets qui se mélangent, la Turing Machine pilotant à la fois les variations du VCF et à la fois les variations de l'amplitude du signal. Et c'était en utilisant le 2HP qui est un 3340 Curtis comme on l'a fait sous Vici-Virac tout à l'heure. Quatrième exemple d'utilisation de la Turing Machine, qui n'est pas forcément aussi simple que ça à refaire sur un véritable RORAC, et vous allez comprendre pourquoi. Ici, on va s'amuser à faire varier la vitesse d'une séquence, donc apporter des modulations à la rapidité d'une séquence. Alors, sur un RORAC, les choses vont peut-être pas être aussi simples, car ici, dans le Sequence 3 qu'on a sur Vici-Virac, on a une entrée external clock, mais on a aussi une entrée de modulation du signal d'horloge. Or, que ce soit le séquenceur du Moser 32, que ce soit le séquenceur de la Drumbrut, que ce soit le séquenceur du Mini Brut 2S, ou même le Dopfer Darktime, tous ces séquenceurs que je possède n'ont pas d'entrée de modulation de la vitesse d'horloge. Ils ont des entrées éventuellement pour les external clocks, mais une external clock,
ça suppose de tout gérer, dont la fréquence de base. Alors qu'ici, moduler la fréquence de base, c'est légèrement différent. Enfin bref, on verra comment on peut le faire, si on peut le faire. En tout cas, c'est faisable sous Vis-Virac avec le Sequencer Free. Et on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. On imagine bien. Hein. Donc, toujours notre petite séquence. Ici, pas beaucoup de variations. Et maintenant, je vais introduire, pour l'instant elle est à zéro, hein, je vais introduire de l'aléatoire dans la Turing machine. Et on va voir la vitesse du séquenceur changer en fonction d'une séquence que je vais bloquer à chaque fois, donc ce qui va faire une sorte de schéma répétitif dans les variations d'horloge. Mais même sous Vis-Virac, ça va être difficile à utiliser comme ça, parce qu'il faut être sûr de rester en phase avec toutes les autres séquences qui peuvent tourner, ou les séquences rythmiques même, et on risque d'avoir des décalages qui se produisent. Mais en tout cas, c'est un effet qui peut être utilisé avec créativité dans certains endroits, certaines compositions. À vous de trouver. Je vous dis comment faire, je ne vais pas vous dire comment vous en servir dans chaque morceau possible. Donc écoutez bien, c'est parti. Quand même que ça suit pas vraiment. Donc si on avait d'autres séquences qui tourneraient, utiliser cet effet peut être assez délicat, mais c'est une utilisation possible de la Turing machine. Donc encore une utilisation. Et on va passer à l'exemple suivant. Dans ce cinquième exemple, nous n'allons pas nous contenter de faire varier, de moduler l'horloge du séquenceur, on va essayer de résoudre le problème de synchronisation que cela posait en un montage un tout petit peu différent, où on va se servir de la Turing machine pour piloter l'horloge externe d'un séquenceur. Donc on est toujours sur notre Sequence Free, on a une external clock et on va l'utiliser. Seulement on ne peut pas utiliser directement les tensions qui sortent, les tensions aléatoires de la Turing machine pour s'en servir de clock. Des variations de tension, c'est pas comme ça que marchent les clocks, qui sont des signaux qui sont plutôt de type trigger. Donc il va falloir que l'on transforme le signal aléatoire de la Turing machine, les différences de volts qui sortent, en des fronts clairs et nets, c'est-à-dire en des impulsions, en des triggers. Pour ça, on va utiliser ici un utilitaire qui est de chez AppenZen, qui est le module CV toTrigger. Donc il va détecter les changements de CV, les fronts qui dépassent une certaine valeur, qu'on peut régler grâce au bouton de temps et de sensibilité, va nous générer un ensemble de triggers. Et comme ces triggers ne seront générés que sur les temps de la Turing machine, mais pas forcément à tous les coups, on va plutôt avoir quelque chose qui va réagir comme un diviseur d'horloge aléatoire. Et donc cette horloge, pour prouver qu'on est en phase, on va la router sur un deuxième Sequence Free, qui lui va faire tourner une autre séquence, qui nous servira de référence à l'oreille tout à l'heure, pour bien nous rendre compte que cette fois-ci, on a la synchronisation. Donc on y va assez simplement, vous avez compris le montage, hein, rien d'exceptionnel. Une fois qu'on a compris qu'il fallait utiliser un CV tout trigger en sortie pour obtenir des triggers, et avec ça piloter l'horloge sur son entrée externe du séquenceur, tout le reste, c'est un montage assez traditionnel. On lance et on écoute. Comme je peux bloquer, vous voyez, je vais mettre des 1 de partout. Et là, bien sûr, il ne se passe plus rien parce qu'il n'y a plus de différence de front. Il faut que je crée des trous, en fait, pour que... Voilà. Là, je viens d'écrire un 0. Et je suis sur une séquence de 5 pas. Quelques 1. Et puis je vais laisser tourner la machine en aléatoire. Vous voyez, ça ne joue que quelques notes. Des fois qui suivent, des fois non. Pour se prouver donc que
tout ça est bien synchro. Maintenant, on va monter le son de la deuxième séquence et on va s'apercevoir que cette petite séquence pilotée par la Turing Machine est bien synchro avec tout le reste. On va faire un petit panoramique histoire de bien séparer pour que vous entendiez bien la différence. Donc, normalement, à gauche, vous avez la séquence pilotée par la Turing Machine et à droite, la séquence traditionnelle, on va dire, la même, mais qui est cloquée directement sans passer par la Turing Machine. Voilà, je pense que vous avez compris. On peut passer à l'exemple suivant. Sixième exemple d'utilisation de la Turing Machine. Alors cette fois-ci, on tombe dans le bizarre, dans l'étrange. Car la Turing Machine, qui penserait s'en servir comme d'un VCO ? Alors oui, après tout, un VCO, qu'est-ce que c'est ? C'est un générateur de forme d'onde, à une fréquence de répétition de cette forme d'onde, qui pour l'oreille humaine, forme un signal audible, qui a à la fois un timbre et une fréquence, une hauteur, pour simplifier les choses. La fréquence, la hauteur, va venir de la fréquence de la fondamentale de ce signal, et le timbre perçu va provenir des composés harmoniques de ce signal. Donc, le plus simple, c'est une sinusoïde, pas très flatteur à l'oreille, même si ça peut être agréable et bien utilisé, mais enfin, on utilise rarement des sinusoïdes pures. En les combinant ensemble, c'est la synthèse additive, on obtient des formes d'ondes plus complexes, et vous savez que par analyse de Fourier, on peut transformer n'importe quel signal, aussi complexe soit-il, en une série de sinusoïdes. Donc, un signal, c'est une somme d'harmoniques, et ça donne des formes variées de tous les signaux qu'on connaît, de la sinusoïde au signal carré, au triangulaire, ou à n'importe quoi. Or, n'importe quoi, c'est un peu ce que fait la Turing Machine. Mais elle ne fait pas du n'importe quoi n'importe comment. Elle fait du n'importe quoi qui peut être bloqué et répété. Alors, l'idée c'est de se dire, si je pulse ma Turing Machine à une vitesse d'horloge qui ne correspond pas à une vitesse d'horloge traditionnelle de bits à 120, 140, 160, non, si je la cloque à une vitesse qui se trouve dans la range audio, donc si je la cloque avec un VCO et non plus avec un LFO ou une cloque, que va-t-il se passer ? Le signal aléatoire va être répété tellement de fois par seconde qu'il va finir par atteindre la range audio. Donc, donner une hauteur, une fréquence, s'il a une fondamentale, plus ou moins bien marquée, et puis un timbre, puisqu'il sera composé de différentes harmoniques qui dépendront de la forme du signal. Alors, on est d'accord que si on fait fonctionner tout ça uniquement avec la Turing Machine en mode aléatoire, il y a toutes les chances qu'on écoute quelque chose qui ressemble à du bruit. Alors, pas forcément blanc, mais à du bruit. Donc, aucun intérêt. Par contre, si on fait boucler la Turing Machine, donc si on l'utilise dans son mode bloqué en séquence, on va pouvoir générer un signal répétitif et le faire se répéter très 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 vite pour qu'il devienne un timbre audible. C'est exactement ce qu'on va faire. Pour y arriver, on part d'une horloge, d'un montage complètement classique, je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ce qui est filtre, enveloppe, etc. On s'en fiche un peu ici. L'idée, c'est de partir d'une séquence, voilà, une séquence toute simple, qu'on va quantiser, voilà, on peut, c'est quand même mieux si on veut la mettre dans un morceau de musique complet, et puis la sortie de ce quantizer, on va l'envoyer par un gestionnaire d'octave, puisqu'on en a un dans VisiVirac qui permet de choisir la hauteur assez facilement, sans détuner les VCO, et on va envoyer cette séquence de façon très naturelle sur un VCO, c'est le VCO1 qu'on voit à l'écran en ce moment. Alors, dans ce cadre-là, on a juste généré une séquence avec le VCO. Oui, alors c'est quoi l'intérêt de passer par la Turing Machine ? Ben justement, c'est de créer un signal qui a un timbre particulier, qui a une autre tête que le signal généré par le VCO. Ce VCO, par exemple, génère sinus, triangle, dents de scie et carré. On en a d'autres, des VCO, on aurait pu en prendre d'autres. D'ailleurs, pour compléter, dans cet exemple, j'ai rajouté une autre séquence jouée par XFX, hein, que j'avais payé et qui est devenue gratuite. C'est un peu dommage quand même, mais bon, c'est comme ça, tant mieux pour les autres.
et qui génère donc des formes d'ondes un peu particulières et que j'aime beaucoup parce qu'il rajoute un côté numérique intéressant, synthétiseur à table d'ondes. Donc que vous pouvez utiliser, que je vous conseille, puisque en plus maintenant il est gratuit. Donc on va utiliser le signal carré, puisque c'est ce qui ressemble le plus à un signal d'horloge, qui sort de notre VCO1 pour cloquer notre Turing machine. Donc ce signal carré, en réalité, c'est une note de musique. Une note de musique qui a été créée par le séquenceur sous forme d'un CV. CV qui a été quantisé et contrôlé en termes d'octaves avant d'arriver dans le contrôle CV du VCO. Donc ce qu'on envoie ici à la Turing machine, ce n'est jamais qu'une séquence jouée par un VCO, mais dans un mode signal carré, de telle façon à avoir des fronts bien nets qui ressemblent à ceux d'une horloge. On a bloqué pour l'instant en 16 pas, et puis on a notre Turing machine. Si on la fait en mode aléatoire pur, on va voir le signal ici de notre Turing machine, et puis on a passé ce signal à travers un slew limiter, puisque ici le slew limiter va pouvoir jouer le rôle d'une sorte de filtre en adoucissant les pentes, les fronts. Alors on le voit très bien, c'est qu'à l'heure actuelle, même dans le signal aléatoire qui est généré, on a ici le signal qui est généré par la Turing machine. Alors on voit bien que ça ressemble pas à du bruit blanc, ça va faire du bruit à l'oreille, mais c'est pas du bruit blanc, du bruit, mais ce n'est pas du bruit blanc. Et on voit bien ici les adoucissements qui sont portés par défaut par le slew limiter, même quand tous ces réglages sont à zéro, ne serait-ce que parce que la pente a été réglée ici. Si on active tout ça pour se rendre compte de ce que cela fait au niveau sonore, on va... Alors on sent qu'il y a une sorte de rythme. C'est assez confus, c'est très bruité. Alors ça peut être utilisable, hein, c'est à vous de voir. Pour l'instant, j'ai enlevé le filtrage. Vous voyez, le slew limiter joue le rôle de filtre. Selon comment j'accentue son mode, on est proche du bruit blanc. On va changer les octaves. Il y a des arrêts, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on est dans des fréquences tellement hautes que ça ne répond plus. Donc il faut rester raisonnable. Et on adoucissant la pente montante. Comment ça entend quelque chose? Vous devez entendre une espèce de petite musique qui se répète dans les aigus. Hop, elle disparaît. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va coincer d'un seul coup le bouton de la Turing machine. Le signal va devenir répétitif, et cette fois-ci, il va jouer, d'ailleurs parfaitement tuné, il va jouer ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire la séquence. Et là, on a un timbre particulier, très digital, qui est intéressant et qui est créé par la Turing machine, qui devient donc un VCO. C'est pas le son du VCO qu'on entend, c'est bien le signal aléatoire de la Turing machine qui est cloqué par contre par le VCO. Et la différence de fréquence qu'on entend résultante provient du fait que la fréquence à laquelle la Turing machine génère des séries aléatoires est dépendante de la fréquence du VCO. Et il se trouve donc qu'on a une note qui est exactement la même que celle qui est jouée par le VCO. Alors vous allez voir, je vais modifier, en fait, faire re-rentrer de l'aléatoire, et ça va changer le signal. Donc on a comme ça, avec un peu de chance, un signal intéressant à utiliser. Voilà, j'ai changé de son. On va ouvrir un peu la Turing machine. Vous voyez, là, elle rajoute de l'aléatoire de temps en temps, mais comme ça va tellement vite, que ce qui serait sur plusieurs secondes dans la réalité en tant que à des fréquences habituelles perturbe le signal. Donc on peut diminuer. Et on a encore un autre
signal très différent. Encore un autre signal. On a toute une richesse dans des sons qui se ressemblent un peu, hein, qui sont des sons digitaux qui se ressemblent, et qu'on peut filtrer comme ça avec le slow limiter, ou laisser comme ça, et utiliser bien sûr le Vork par exemple. Alors ces changements de son, on pourrait très bien les programmer par un séquenceur ou par un autre générateur aléatoire ou non, tout simplement en pilotant, comme je vous l'ai fait voir dans les exemples précédents, en pilotant la probabilité, donc ce gros bouton, le CV qui est ici, en le faisant de temps en temps baisser et repasser au maximum tout de suite, on changerait le son de façon très très rapide sans même entendre peut-être ce... Quand je le fais à la main comme ça, on peut entendre des fois que ça a quick. Pour se convaincre que tout ça en plus génère des notes qui sont exploitables, eh bien, il y a une autre séquence qui existe et qui est jouée par le XFX que je vais introduire. Mais ici, pour compléter, on utilise la deuxième ligne pour vous faire voir que, au moins sous Vici-Virac ou sur la vraie Turing Machine équipée de ces deux extensions, on peut aussi se servir de cette ligne pour faire la même chose. On va l'activer maintenant. Je vais faire taire la première, et ici vous avez le signal ne dépend plus de totalement, en tout cas de ça, mais il dépend aussi de la position. Vous voyez, des boutons qui sont ici, donc c'est un deuxième niveau parce qu'on est influencé par la Turing machine elle-même, mais par la position des boutons qui sont là. Et le slow limiter va jouer le rôle d'un filtre en adoucissant les pentes, donc en enlevant des harmoniques. Ce qui est complété ici par l'utilisation du Vorg. Et maintenant, pour se convaincre que tout ça fonctionne bien, donc je vais mettre en route la séquence jouée par le XFX. Et voilà comment une Turing machine se transforme en VCO. Dans cet exemple, la Turing machine est utilisée comme un VCO. Dans un premier temps, on récupère le signal de gate et de clipboard, qui sont utilisés l'un pour déclencher un ADSR et l'autre pour piloter naturellement un VCO, ici le 3340 de 2HP. Le son de ce VCO, son signal carré, est envoyé comme signal d'horloge à la Turing machine, dont la sortie est envoyée au VCA qui est piloté par l'ADSR de tout à l'heure. Ce qui veut dire que la Turing machine va désormais générer des séquences directement
et on va mettre ça en route tout de suite. Et comme tout à l'heure sous Vissivirac, en modifiant la probabilité et en la remettant dans sa position bloquée, on va générer une nouvelle forme d'onde. Il faut de la chance, hein, c'est tout le principe de la Turing machine. On peut modifier aussi le nombre de steps de telle façon à avoir un son plus ou moins simple ou complexe. Une forme d'onde plus simple. Et voilà comment une Turing machine peut devenir un VCO. Allez, tout le monde l'attendait en premier. Il est temps de l'aborder. Le fameux exemple de la Turing machine utilisée pour générer des mélodies aléatoires. Et donc, utilisant les spécificités de la Turing machine sur un simple sample and hold, c'est-à-dire la capacité de boucler et donc de créer une véritable séquence. Donc ici, on a des VCO, filtres, ADSR, VCA, donc tout ce qu'il y a de plus classique. On a une Turing machine, et puis nous avons ici, sur sa sortie, branché un quantizer, parce que les signaux qui sortent de la Turing machine ne sont pas quantisés. Donc oui, on a choisi une gamme, ici une pentatonique mineure, et on va déclencher donc un VCO et un ADSR en fonction de tout ça. On va oublier pour l'instant ce réglage-là qui est un peu superfétatoire, pour se concentrer sur ce qu'on était en train de dire, c'est-à-dire la génération d'une mélodie aléatoire. On lance l'horloge, et c'est « Instant Satisfaction », donc on a ici une séquence sur 8 pas. Je vais faire rentrer des nouvelles notes. Bien évidemment, dans ce type d'utilisation, le scale est très important pour restreindre. Vous voyez qu'il n'est plus sur 5 volts, il est plutôt sur 2 volts, 2 volts et demi, parce qu'il est très important de restreindre la range à quelque chose qui soit agréable à l'oreille. Hein, si je mets du 10 volts, on a des notes dans tous les sens. Des trucs très hauts, des trucs très bas, là ça sonne vraiment aléatoire. Le but du jeu, c'est pas ça. C'est de restreindre la scale pour avoir une range qui soit possible, probable, quitte à rajouter par exemple un sélectionneur d'octaves comme on avait tout à l'heure pour régler la hauteur de la séquence pour qu'elle se répartisse dans votre morceau au bon endroit où il y a de la place pour qu'elle puisse se faire entendre. Séquence aléatoire. Alors on peut la faire jouer sur 3.
savez pourquoi le principe ? Là, ici, c'est très simple. Il suffit de quantiser la sortie, de l'envoyer à un VCO, et on a une mélodie aléatoire qui a l'avantage de pouvoir être bloquée sous forme de séquence. Et ça, c'est quand même très sympa. Donc ça, on va le voir sur Laurent Rack tout de suite. Dans le classique du classique de la Turing Machine, c'est de s'en servir, bien entendu, pour générer une séquence aléatoire. Notre Turing Machine, qui est ici, est nourrie grâce à un signal LFO carré qui va jouer le rôle d'horloge, qui provient du Moser 32, ici. Les séquences, les probabilités sont réglées. Elle pilote, ici, une Pico Voice, qui va tout simplement jouer la mélodie en question. Pour nous en rendre compte, le plus simple est de connecter tout ça à la sortie. Donc là, le nombre de steps est au maximum. Faire une séquence plus courte. Et nous allons changer les probabilités. Et on bloque à nouveau. La sortie de la Turing Machine passe par un atténuverteur pour pouvoir régler la range. Et elle alimente ensuite un tuner qui alimente l'entrée. Nouveau tirage aléatoire. Et voilà pour cet exemple. Il existe encore beaucoup d'utilisations possibles de la Turing Machine. Pour ce huitième exemple, nous allons voir qu'on peut s'en servir pour moduler, par exemple, des decays. Et oui, ça va permettre d'ajouter un petit peu d'organique, encore une fois, dans quelque chose qui serait trop régulier. On va le voir immédiatement. On a une séquence, on va faire tourner, et nous avons des percussions. Donc un knock pour la bass drum, qui permettra d'asseoir un peu le rythme, pour se rendre compte, en orchestration, entre guillemets, ce que cela donne. Un premier trumor qui va générer un son plutôt, on va dire, de caisse claire, sur lequel on fera jouer aussi des modulations. Et un son, un autre trumor qui va être utilisé pour faire un son plutôt de hi-hats. Et on va voir ça immédiatement. Donc, on a ce son de hi-hats hein, qu'on entend derrière. Et ce son de hi-hats, il est très sympa, mais il est tout le temps identique. On pourrait faire varier son filtrage ou des choses de ce genre-là, mais le decay est très intéressant, que ce soit sur une note de musique dans une séquence ou sur un son de type percussif comme ça. Donc là, on a la sortie de la Turing Machine, qui est dans un mode aléatoire avec changement relativement lent. Hein, on n'est pas à midi au niveau du réglage. Et on va maintenant augmenter l'effet. Et tout de suite, cette séquence va avoir une vie, va être habitée de quelque chose qui va être différent. Donc c'est très intéressant. On pourrait faire pareil sur voilà, ce son, qui au départ est intéressant, mais enfin pas plus. On va jouer sur son decay. Vous entendez la différence ? Et on va jouer en même temps sur son cut-off. Alors j'exagère les réglages à chaque fois pour que ça soit facile à entendre. En réalité, là c'est d'aider la finesse, hein, c'est avec les gros doigts on tourne. Je veux dire, en réalité ça se manipule un peu plus délicatement quand on cherche justement le sweet spot. Mais là il faut que vous entendiez assez rapidement sans que je fasse tourner pendant 2 heures. Si on revient à zéro sur tous ces réglages, ah, c'est quand même vraiment plat. Hein. Ah, c'est moins joli. Hein. On va rajouter un pied de caisse pour donner quand même le rythme complet. Et on va réintroduire
les modulations produites par la Turing Machine. Alors là, ici, on utilise les deux voies de la Turing Machine pour avoir deux types de modulations différentes. On pourrait mettre deux Turing Machines ou utiliser une Turing Machine et un sample Enold peut-être pour certaines choses. Par contre, l'avantage que nous allons avoir, c'est que on peut le faire boucler, par exemple, sur 5 steps, histoire que ce soit pas complètement en phase avec la séquence qui tourne plutôt sur du 8 pas ou quelque chose comme ça. Et de telle façon, si on a un réglage qui nous intéresse, à pouvoir le bloquer, c'est l'intérêt de la Turing Machine par rapport donc à un simple sample Enold. Donc on va réintroduire les variations. Et on s'aperçoit tout de suite qu'on a quelque chose d'un peu plus intéressant. Là, j'ai bloqué la Turing Machine. On a des modulations qui bouclent. Qui se décalent un peu, et maintenant on réouvre un peu. Et pour parfaire le tout, si on le met avec une petite séquence supplémentaire, on s'aperçoit tout de suite que c'est beaucoup plus agréable, que ça ajoute. Donc en faisant varier le decay, on pourrait faire varier le decay par exemple aussi, ici on utilise un incubus pour faire la séquence, on pourrait très bien dans ce synthé ici par exemple, on peut attribuer une voix par exemple au decay de l'amplitude ici. Pas beaucoup. Le sustain semble avoir plus d'effet. On va prendre le sustain et puis on va aller chercher ici. Ajouter de la vie grâce à une Turing Machine qui va moduler des cut-offs, qui va moduler ici du decay sur des percussions, sur une séquence de basse. Bref, les possibilités sont assez nombreuses et il en reste bien d'autres, bien sûr, qui sont à la discrétion de votre imagination fertile, je n'en doute pas un seul instant. Dans cet exemple, la Turing Machine va piloter via un atténuverteur le temps de fermeture et d'ouverture de cet ADSR ultra simplifié. J'utilise ici encore une voix unique du Stages et non pas un ADSR complet. Mais on va voir que l'effet est tout à fait présent. Cette voix pilote, on l'a vu, un VCA. VCA qui est nourri par la sortie de ce filtre VCF3 Erika qui prend sa source dans la source de bruit du Moser 32. Si on éteint toute forme d'influence de cette machine sur l'ouverture de notre Stages, on va avoir une séquence relativement boring qui va sans cesse jouer la même note, surtout que là il n'y a pas de rythme. Donc voici ici une sorte de hi-hat joué en permanence. Rajoutons le pilotage du temps de decay
Alors le son qui sort n'est absolument pas traité, ni reverb, ni écho, ni rien du tout, ni égalisation. Donc ce sera un son brut de fonderie pour cet exemple et ces exemples faits avec le RORAC, parce que ça compliquait un peu les choses pour l'enregistrement vidéo en même temps que de traiter tout ça. Mais vous entendez parfaitement l'effet. Ajoutez-y un peu d'écho, de reverb, tout de suite c'est beaucoup plus chatoyant à l'oreille. Donc voilà pour cet exemple très simple, pas besoin d'en faire des tonnes. Alors, pour terminer, je vais aborder un petit truc, une astuce. Parce que depuis le début, je vous ai dit que la Turing Machine, c'était quasi métaphysique, philosophique. C'est dans ses gènes, et il y a des raisons à cela. On est dans l'éphémère. Donc on perd les séquences ne sont pas mémorisables, et voilà, ce qui est du passé est du passé. Mais il faut avouer quand même que c'est franchement gênant, ce truc-là. Donc, comment on fait pour mémoriser une séquence de la Turing Machine? Alors, sur des vrais RORAC, ça va être compliqué, parce qu'il faut des séquenceurs un peu sophistiqués, ou qui ont certaines options qu'on retrouve pas partout, et loin de là. Par contre, sous Vici-Virac, on va avoir une solution. Alors aussi, on a une séquence qui va être faite avec notre Turing Machine, et on suppose qu'elle est inoubliable, ou en tout cas qu'on souhaite la conserver, et après tout, c'est le choix de chacun. Voilà, une séquence sans 16 pas. On se dit, on est très content. Cette séquence, elle m'inspire énormément, je veux la garder. Comment je fais? Quand je vais sortir d'ici, tout sera perdu. C'est pas très cool. Mais nous avons une solution. Parmi les modules gratuits de Vici-Virac, nous avons le phrase sec 16. Donc un séquenceur 16 pas, qui marche par phrase. Je ne vais pas en discuter parce qu'il est capable de faire beaucoup beaucoup de choses, et c'est un des séquenceurs qui est le plus sympa dans Vici-Virac. Mais il a surtout une chose incroyable, c'est sa capacité à pouvoir écrire step par step une séquence. Donc la sortie de notre quantizer qui venait donc de notre Turing Machine, on ne touche surtout pas à la Turing Machine parce que tant qu'on n'est pas sorti du soft et qu'on n'est pas rentré, on n'a rien perdu. Mais au lieu de nourrir directement l'oscillateur qui est ici, on va venir se mettre dans le CV in et on va tirer une cloque, au lieu de la débrancher, on va tirer une cloque qui va venir sur le write ici. Et puis, on va se connecter aussi, si je le trouve, voilà, il est ici, le reset qu'on va brancher sur le reset de la clock. Ce qui nous permet de faire un petit reset. Donc tout le monde est revenu à zéro. Et je vais faire tourner maintenant ma séquence. Ce qui est intéressant, c'est de voir que toutes les notes jouées par la séquence sont en fait, en ce moment, gobées par le séquenceur. Mais pour ça, il faut que notre machine soit en mode enregistrement, bien sûr. Donc s'il tourne, elle n'enregistre pas. Et là, maintenant, on voit bien toutes les notes jouées. Parce qu'en run, il est en train de jouer la dernière séquence qui était jouée. Il faut bien penser à enlever le run pour passer en mode écriture. Et là, on écrit les 16 pas. Alors, on n'arrête pas d'écrire les 16 pas. Alors, c'est très sympathique, mais voilà, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, quoi. Donc ici, maintenant, on peut débrancher notre séquenceur et on peut nourrir. Le reset, on va le garder. Par contre, la clock, pourquoi pas, on va le cloquer avec la même cloque. Et le CV, on va l'envoyer directement ici. Et que va-t-il se passer? Alors rappelez-vous, je vais enlever ça. Je vais reprendre ce qui vient de la Turing Machine. J'enlève, je reprends ce qui sort du séquenceur. On a exactement la même séquence, donc on a réussi à sauvegarder la séquence de notre Turing Machine. Et maintenant que la séquence est dans le phrase séquenceur, eh bien, quand on va sauvegarder notre projet et qu'on va le réouvrir, on récupérera notre séquence, parce que lui, par contre, il est fait pour garder, bien sûr, ses séquences. On peut même cliquer droit et faire un save preset, puisque ça, c'est une des possibilités des dernières versions de Vici-Virac, et pouvoir recharger ça dans un phrase séquenceur qui est monté sur un autre rack. Et là est tout l'intérêt de la chose. Donc voilà, vous
avez une possibilité, en fait, de passer outre les limitations un peu dirigistes. C'est là qu'on voit que Vissivirac est complètement complémentaire à un Eurorack et qu'il n'y a pas de bagarre entre les deux. Il n'y a pas de choix à faire Eurorack vrai ou Vissivirac. Non, on peut faire les deux. On peut même, si vous avez par exemple des cartes Expert Sleepers, on peut même faire sortir le son d'un vrai synthé, le réinjecter à l'intérieur de Vissivirac, le faire ressortir pour le remettre dans le rack, etc. C'est au contraire un complément absolument génial. Les deux démarches sont conjointes, sont intriquées, et les deux sont utiles dans un montage pour faire de la musique. On utilise les deux. En tout cas, le sujet aujourd'hui, c'était la Turing Machine. J'espère que vous avez appris des choses sur la Turing Machine, que surtout je vous ai ouvert des voies d'utilisation de la Turing Machine autrement que pour faire des petites mélodies aléatoires, et puis que vous allez en faire plein d'autres, vous allez trouver plein d'autres idées. Et puis bah, si vous avez d'autres idées comme ça, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous pour dire comment vous utilisez la Turing Machine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, petit bonus, je vous ai déjà présenté le synthétiseur virtuel Pigments de Arturia dans une autre vidéo complète, donc je ne vais pas y revenir. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a une petite particularité qui est en plein dans notre sujet. C'est l'un des rares, alors je dis ça parce que je ne sais pas tout, donc je suppose que peut-être ça existe ailleurs. En tout cas, je n'ai jamais vu dans un VST, pour ma part, un synthétiseur semi-modulaire, on va dire, qui intègre une Turing Machine. Et c'est le cas du Pigments. Donc regardez, on va partir d'un son très très simple, une sorte de Dancy sur un seul oscillateur. Et si on va dans les fonctions random, on peut admirer plusieurs types de générateurs random, un système binaire d'impulsion, un système sample and hold assez classique, et une Turing Machine sur laquelle on reconnaît la plupart des réglages qu'on a vus. Le flip, en fait, qui, quand il est à zéro, ne fait quasiment aucun changement. Et puis la longueur de la séquence, qui peut varier de 32 pas à 1 pas, donc on va par exemple se mettre sur 5 ou 6 pas, voilà. Et puis la vitesse, la synchro, l'horloge, comme sur la Turing Machine, il faut bien une horloge. Ici elle est free running, elle pourrait être synchronisée sur d'autres éléments, bref c'est spécifique à Pigments, mais on retrouve des possibilités qui sont très très proches de celles d'un modulaire, notamment grâce à cela. Alors par exemple, je vais fermer le filtre ici. On a un son beaucoup plus sourd. Et puis je vais maintenant tout simplement choisir la Turing Machine et appliquer ma Turing Machine sur le filtrage. Et regardez la différence. Et si je bloque le bouton, eh bien, on s'aperçoit que la séquence se reproduit. Alors, bien évidemment, on peut jouer sur la position dans la waveform. Donc, on retrouve à peu près toutes les possibilités d'utilisation. On va utiliser peut-être une waveform un peu plus compliquée, voilà. On a à la fois l'effet sur le filtre. Et à la fois sur la position de la waveform. Donc voici une Turing Machine, un autre modèle de Turing Machine virtuel, et avec une implémentation très différente de celle que l'on a dans Vissivirac par exemple, mais qui, par son fonctionnement et les options qu'elle offre, est bien une Turing Machine. Donc voilà pour ce petit bonus, pour voir une autre façon d'utiliser la Turing Machine, et ici, vu la richesse du système de Pigments pour affecter, on peut affecter à n'importe quoi, n'importe où, on a vraiment l'impression d'avoir un synthétiseur modulaire entre les mains, puisque comme vous le voyez, on a plein de choses qui permettent de faire ce genre de modulation. Donc c'était un petit exemple pour compléter cette série sur la Turing Machine, en vous en voir une autre, un peu différente. Et maintenant, il va être temps de conclure, je pense.